Salut mon ami, je suis Alliance Wotroj Piemoso. Ceci est une petite partie de notre langue formation Bootcamp Hero World orientée emploi que je vous offre gratuitement sur la chaîne YouTube. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation complète si vous voulez plus. Alors, pour insérer une image fixe de notre document Word, c'est très simple. Vous remarquez ici, nous avons des images fixes qui ne peuvent pas bouger n'importe comment. Vous voyez, cela ne bouge pas considérablement parce que c'est aligné au niveau de son habillage. Il est aligné sur le texte à ce niveau-là. Donc, nous également, c'est ce que nous allons faire dans notre document. Donc, on va se mettre devant le texte hors-ci, ici. Donc, le troisième paragraphe, on va faire un retour à la ligne ou tout simplement le laisser là-bas. Et on va se rendre dans l'insertion, image depuis cet appareil. Et on va sélectionner notre première image. Donc je crois que c'est l'image 3 qui est ici. Nous l'insérons. L'image arrive assez différemment. Et ce que nous allons faire, c'est tout simplement modifier la rotation de cette image. Donc nous allons cliquer sur rotation. Et nous allons faire une rotation par exemple de 90 degrés, voilà, dans ce sens. Et après, nous allons redimensionner cette image au niveau de la poignée de redimensionner, le redimensionnement gauche. Nous allons la redimensionner au moins jusque là, après la replacer juste après notre texte, donc notre troisième paragraphe, et au niveau de cette petite icône que vous voyez qui nous permet de modifier la disposition ou l'habillage que nous pouvons retrouver aussi dans le nouvel onglet qui vient d'apparaître, outil image mise en forme, nous allons tout simplement lui dire mais écoute, tu t'alignes sur le texte. Donc nous allons cliquer aligner sur le texte et nous allons le placer juste ici. Donc nous cliquons, nous le déplaçons juste à ce niveau. Et automatiquement, cela s'aligne sur le texte, mais il est fixe, il ne bouge plus. Ça sera la même chose qu'on va aussi faire au niveau de l'image qui va se placer, je crois, laissez-moi vérifier, au niveau de notre document source. L'image se place au niveau de piment qui ne pique pas. Et ceci à 1, 2, 3, 4 paragraphes seulement, donc il y a du texte qu'on va supprimer, je pense, notamment à partir de voilà le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième paragraphe. Donc on va supprimer tout le contenu qui se trouve en bas à ce niveau et nous allons rechercher la partie où ça se trouve. Donc au niveau du deuxième paragraphe ici, nous allons l'insérer à ce niveau. Je crois qu'on va effacer celui-ci et on va insérer ce paragraphe. Puis insérer une image à ce niveau-là. Nous allons insérer l'image de. Voilà. Automatiquement, l'image vient de s'insérer, mais nous allons appliquer les mêmes paramètres qu'on a eu à appliquer à ce niveau-là. Donc nous déplaçons cela vers le bas. Et voici l'insertion de nos images en mode fixe dans le document. À nous revoir dans la vidéo suivante. Juste en bas dans la description, vous avez un lien qui vous conduit droit à la formation complète si vous voulez plus.